Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mauve TV, chers amis de Mauve Plus, bienvenue pour cette première historique, la première prestation en Ligue des Champions pour le RSCA Futsal, en tout cas la première depuis qu'Anderlecht a repris le nom d'Al-Goeik, une première européenne ici dans cette salle au Bellet Center de Rosdal avec ce premier match de groupe contre le géant du Kairat Almaty. Et pour commenter cette partie, il y aura évidemment mon collègue néerlandophone Chris. Chris, bonsoir. James, zeer goede avond. Inderdaad, het is een historische avond voor RSCA Futsal Anderlecht. Want eigenlijk van RSCA Sporting Anderlecht met in de starting 5 zit dan Regia met het nummer 8. Fitz, die in principe een heel veel langere naam heeft. Braziliaan Fitz, hele gevaarlijke voetballer. Diogo natuurlijk een gevestigde waarde in het futsal. Heel veel jaren al, ook destijds nog bij Charleroi enzovoort. Grello natuurlijk al menigmaal de gouden schoen gewonnen hier in ons land. Onlangs ook Belg geworden trouwens. En Roncalio, dat is de keeper, de goalkeeper. Dat is een man met een wereldwijde reputatie die niet alleen in het doel goed is, maar die ook voetballend er eigenlijk helemaal kan uitkomen. De coach is Luca Kranjas. Dat is een man die ook al heel veel strepen heeft verdiend in het Belgisch voetbal. Tout simplement notre sifflet numéro 1. Évidemment, il ne peut pas arbitrer ici à Anderlecht pour éviter le conflit d'intérêt. Voilà, Jiri Bergs, dus wat James er net ook zei, dat is een man die in België al ruim schoon zijn strepen heeft verdiend. Die misschien wel de beste. On va pas les confondre. Donc ce soir, c'est le Kairat Almaty. Puis demain, il y aura déjà le deuxième match contre le Sporting de Paris. Relancé après ce coup franc loupé, et tant mieux pour les Anderlechtois. Attention de ne pas perdre le ballon ici. Ça va être dedans, ça non. Avec un arrêt de Roncaglio. Schitterende save. Contre avec Grello. Derrière ce cuir, va-t-il tenter sa chance directement ou tenter de trouver un partenaire? Ce sera pour... Ouais, c'est dedans ça! Avec Jelovcic! Et bien voilà, les phases arrêtées avec l'ouverture du score pour le Croate Jelovcic. Et Anderlecht qui est devant! Voilà, doelpunt pour RSCA. En dat is een doelpunt van Jelovcic, het nummer 20, Franco Jelovcic. Die een vrije trap van Grello krijgt. En die hem eigenlijk, misschien wel via een kleine fout van de keeper ook wel. Die te ver uit het doel stond eigenlijk. Le voici balle au pied. Attention évidemment à toujours cette prise de risque. Et Fitz qui se retourne. Ah oui, c'est la spéciale Fitz. Ah, lui, pour lui prendre le ballon, il faut se lever tôt. Regardez cette protection de balle. C'est sa qualité première. Et quand il arrive à enchaîner, il a beaucoup de puissance. Ça passe au... Et il est venu donc à Anderlecht pour encore étoffer son joli palmarès. Et entre-temps, on n'était pas loin d'aller chercher le 2-0 avec Fitz qui est bien là. Ja. Fitz is een man die in de competitie misschien nog eventjes naar de goede vorm aan het zoeken is. Oh, attention à cette perte de balle. Attention au cadeau. Est-ce qu'on peut en profiter? Et le poteau. Yeah. Oh, le poteau, gros danger là. Avec cet envoi de Douglas Junior. Dat onder de zool te laten meeglippen, maar dit is gevaarlijk. Attention ici, attention ici. Roncaglio, la bonne sortie. Et c'est pas terminé. Ah oui, les pertes de balles. Vous voyez, hein, ça va avec toi. Roncaglio, j'ai cru qu'il allait armer. Il a de la dynamite dans les pieds. Et attention! Dit is jammer natuurlijk, Roncaglio, die we zo bejubeld en bejuicht hebben. Die verliest er op een hele domme manier de bal eigenlijk op het veld van de tegenstander, op de helft van de tegenstander. En die bal gaat aan zijn kant erin. Je zei het net zelf ook al, het is soms gevaarlijke keeper die uitvoetbalt. Er zit altijd een soort dreiging in. Keeper als Roncaglio is dit pijnlijk. Oh, attention, aussi Fitz. Aïe, à chaque fois il arrive à se retourner. Il y a un carton, oui, on revient à la faute. C'est bien arbitré, regardez ici. Ah oui. On lui a presque enlevé son short là. C'est ce but un peu stupide. Alors attention, Fitz. Oh, c'est dommage ça. Schitterende beweging was dat van Fitz. Dat is toch bij momenten een geniale voetbal. Je moet maar eens kijken welke schitterende beweging hij hier eigenlijk probeert te realiseren. Dit is heel moeilijk. Ah, en dan met zijn mindere. Blijf dit doen, blijf dit bestendigen. Roncaglio! Oeh, attention, deuxième ballon là! Ouais. Pour le Sporting d'Anderlecht. Et pour l'instant, Chris, ça se passe pas mal. Un but partout au repos contre le géant
du Kerat Almaty. Klopt helemaal. Bij het begin van de tweede helft 1-1 staat het. En dat is een, zoals we ook konden horen tijdens de rust ook bij de manager van Sporting Anderlecht van RCA Futsal bij Lievenbaard. Die zei van ja, dat is een vrij Jogo was verrast. Oh, attention, le contrôle. Il était pas mal, là, Tomic. Contrôle de la poitrine et enchaînement direct. Regardons tout cela une nouvelle fois. Hop, joli, hein, ça. Ah. Ça méritait mieux. Coup franc. Tout à l'heure, c'était Grelo à l'assist. Et c'est de nouveau Jelovcic. Yeah. On n'a pas tout à fait retenu la leçon hein, du côté du Kerat. Tant mieux. C'est peut-être le meilleur joueur sur le parquet ce soir. Attention, Jelovcic. Sur cette approximation de la défense et Guita doit sortir le grand jeu. Un peu de réussite pour Jelovcic, mais bon. Stress. Attention, Rocaglio ici, la frappe qui oblige Guita à sortir un nouvel arrêt. De afstand uit het doel te houden, maar ik denk dat Roncaglio dat die met dat doelpunt wat ze tegen hem krijgen. C'est dedans avec Diogo. Diogo scoort. Avec un peu de réussite, cet envoi qui a été dévié, il me semble. Et Anderlecht qui repasse devant. Ah, on le voyait un peu arriver ce deuxième but. Anderlecht qui essaye depuis quelques minutes à distance. Et là, Iguita, ouais, ça a été touché, ça, il me semble, Chris. Hein. Yeah. Ik heb het gevoel dat er nog een afgeweken bal was. Réussi hein, sous le nom d'Anderlecht. Une victoire contre Kerat Almaty. Ça... Ah oui, j'étais pas encore né à ce moment-là. Allez, on est reparti. 2-40 encore. Avec cet envoi. Aïe, 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 voilà. Yeah. Tursugalov. Tursagulov plutôt. Ah oui, gardien volant. Yeah. Eh bien, ben voilà, on en parlait. Ben, voilà. Ça paye. Voilà. La boule est tombée du bon côté. C'était rouge ou noir, comme à la roulette. Et bien voilà, ça tombe sur le rouge. Ah bah plutôt le vert, c'était le zéro. C'était le zéro de la roulette. Quelle était la... De laatste kans is... De kans om de... La reprise. Ouh. Iets van te maken met nog drie seconden. Nee, dit et c'est terminé. Et c'est terminé. Voilà. Voilà, c'est terminé, Chris. Deux buts partout. Applaus. Je ziet ook, James, dat het enthousiasme bij de supporters daar via Anderlecht. Oui. Dat keihard wordt meegescandeerd en dat het publiek dus duidelijk tevreden is. Ah, évidemment, on est satisfait. Deux buts partout contre le Kerat, c'est pas mal. Et on a vu une belle prestation d'ensemble collectif solide de la part des Mauves.